Salut YouTube, aujourd'hui un morceau de Weezer, Undone, sous-titré de Sweater Song. Il y a un riff qui est super cool, c'était surtout pour ça que je voulais le montrer, et puis dans le refrain, 4 positions de power chord qui succèdent quoi. Donc pas trop de difficultés, quoique, on voit ça tout de suite. Donc, pour le riff, on va avoir cette position. Alors qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la troisième case du gros mi, la deuxième case de la corde de ré, et la troisième case de la corde de sol. 3. Et ce qui va pas être facile du tout, ça va être d'essayer de laisser le si à vide. Donc je place mon accord, là, 3, 2, 3, et je gratterai ensuite le si à vide. Voilà, je sais pas si on voit bien clair, toujours. Toujours dans mes grands questionnements existentiels. Tac. Merde. Ok, première position du riff. La deuxième position, je vais juste décaler le majeur ici. Les deux autres doigts, eux, restent dans la même position. 3, 2, 3. Et toujours le petit si à vide, donc. Ensuite, je fais grimper cette position-là. Deux cases au-dessus. Voilà. C'est que ça, la première position. Merde avec le si à vide. C'est ça qui est pas facile. Attaquez bien la corde de sol avec l'annulaire bien perpendiculaire pour pas qu'il frotte. Sinon, la note va être soit bloquée, soit frisée un petit peu, faire un son dégueulasse. Alors. Pour les positions de power chord, donc ça fait tous les couplets. Et sur le refrain, donc le power chord premier, le power chord de sol. Donc ça ressemble à un barré, mais c'en est pas un, hein, comme on le dit souvent. Troisième case de la corde de mi, cinquième case et cinquième case des deux cordes d'après. Et à la main droite, je vais juste gratter sur les trois cordes sur lesquelles j'appuie. Et donc quatre fois par position. Donc quatre fois sur le sol. 1, 2, 3, 4. Deuxième position, je décale tout d'une corde. Donc 3 de La, 5 et 5 de Ré Sol. 3, 4, je fais tout grimper. Et je redescends de deux cases. Donc position de Sol, position de Do, position de Ré. Voilà, le nom des positions dépend de la note qui est à la basse. Ici c'est la note Sol, ici c'est la note Do, ici c'est la note Ré. Donc Sol, accent. 3 sur le 3. Voilà, donc ça c'est pas difficile. Après, ce qui est plus dur, c'est de revenir sur le riff sans se planter. Voilà. Et puis, c'est